Salut les moches! Ça va, Jenny? On te dérange peut-être? Oh my god, beaucoup trop de demandes de rendez-vous sur les commentaires de nos vidéos. Hein? Et pourquoi ils t'écrivent à toi d'abord? Va falloir que je me prenne une assistante. Karine, tu fais rien là? Fais gaffe, Jenny. Quoi? On sait pas qui se cache derrière un pseudo. Ça peut être n'importe qui, voire même un mec dangereux. Lui, dangereux? Ah oh là là. Non mais t'es une parano de la flip, Karine. Regarde-le, celui-là, il ferait pas mal à une moche. Rien qu'à voir son filtre, tu sens que c'est insensible. Salut les moches! Aujourd'hui, vous allez apprendre comment gérer votre premier rendez-vous avec les number one du rendez-vous number one. Eh ouais, number one! Bon, avec vos faces d'enclume, va quand même falloir un peu d'imagination, alors allumez votre cortex. Pardon, mais c'est quoi le cortex? Oh, laisse tomber, t'es pas concernée, Jenny. Ah bon? D'accord. Le premier rendez-vous. Pas facile, hein? Ah bah si, hein, trop facile, hein. J'en ai tout le temps, moi, des premiers rendez-vous. Merci, Jenny, d'avoir compris toute seule qu'il fallait laisser ta place à quelqu'un de plus concerné. Hein? Allez, Karine, un peu de science-fiction. Imagine un instant un garçon. On sait pas pourquoi, peut-être qu'il a fumé la moquette. Il t'invite. Un garçon? Non mais imagine, je t'ai dit. Jenny? Bah, en fait, t'as craché un postillon sur la caméra, alors avec la déformation, ça te faisait les fesses comme un camion. Alors, Karine, t'as prévu de t'habiller comment pour ce premier rendez-vous? Comme ça. Quoi? Non, mais les bras m'en tombent, là. Tiens, du coup, moi aussi, ça me donne envie de laisser tomber mes bras, hein. Deuxième conseil pour un premier rendez-vous réussi, allez au cinéma. D'abord, il verra pas trop votre dégaine. Et en plus, si vous avez la personnalité d'un chicken nugget, il le saura pas tout de suite. Ben ouais. Et vous avez pas besoin d'ouvrir la bouche. Et du coup, c'est mieux pour votre haleine de poney. Allez, propose qu'on passe tout de suite à la fast training. On va se faire une petite ambiance salle de ciné. Ah ouais, bonne idée. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Y a quelqu'un? Oh. Oh my god, il m'invite au resto. Ne réponds surtout pas, Jenny. Jenny, montre-moi ce message. Au Bugs Burger? Vous voyez? Avec un relou, c'est la loose juste. Au bout. Nouveau conseil, si vous emmène pas au minimum dans un 15 étoiles, mais dégagez-le direct. Qu'est-ce qu'il dit? Chut, un menu offert pour un menu acheté, je t'invite bien sûr. Non mais le mec t'offre le menu gratos quoi. Alors là c'est clair, si vous en avez un comme ça, vous le bloquez illico. Oh, non mais attends, si on les bloque tous, il y a juste plus de premier rendez-vous. Hé, hey, pas bête Jenny. Impossible de foirer un premier rendez-vous s'il n'y a pas de premier rendez-vous. Quelle idée géniale. Ah ouais, je suis trop forte. Avec vos tronches à payer demi-tarif dans le train fantôme, évitez le premier rendez-vous. C'est votre meilleure chance de lui donner envie de vous revoir. Mais du coup, pour le deuxième rendez-vous, on fait comment? Quel deuxième rendez-vous? On n'est jamais allé jusque-là. Ce qui est bien, c'est d'avoir affaire à des expertes. Regardez-vous, vous pouvez pas rester dans cet état, faut faire quelque chose. Allez, abonnez-vous. Profitez-en parce que des conseils comme ça, on en a encore plein de notre cortex. Cortex, Jenny, cortex.